Malgré ses nombreuses charges d'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste très attaché aux valeurs chrétiennes. Ce dimanche 3 février 2019, le chef de l'État est allé prier avec la communauté chrétienne du Centre missionnaire Philadelphie, son église traditionnelle. Au milieu d'autres chrétiens, le président de la République a suivi avec attention la prédication du jour faite par le pasteur Freddy Sherman sur les thèmes de gestion des relations. « Il faut savoir choisir son entourage », a dit le pasteur, « parmi ceux qui peuvent vous avancer, vous faire reculer ou encore vous bloquer ». Le culte de ce jour a ainsi été marqué par une prière de consécration en faveur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les armées, que les enfants du Congo se réjouissent. Toujours attentif à la situation sociale de ses compatriotes, le premier citoyen du pays a été interpellé au sortir de l'église par les cris de détresse des sept mères des familles désespérées dépossédées de sa parcelle. Un bon père des familles, le chef de l'État l'a rétabli dans ses droits en donnant les instructions claires avec effet immédiat. Je donne l'ordre de rentrer tous les biens de maman dans la parcelle. Ça va ? Tout de suite, rentrer ça. Didier, ouais. Toi tu prends contact oui. avec eux ou la oui. FPM. Okay. Je veux que ce dossier soit suivi de près oui. dès demain. Ah, pour le moment, vous ne touchez pas à maman, vous rentrez tous ces biens et tous ceux qui sont dans la parcelle rentrent là. Ça, okay. On est d'accord. Très ému, Madame Cécile Mukulumanya a manqué des mots pour remercier le chef de l'État. Merci Dieu, que Dieu vous a présenté, nous papa pour la présidente. Depuis son avènement à la magistrature suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est très pragmatique dans le cadre de l'héritage politique. Le peuple est d'abord.